Salut à tous, bienvenue en Égypte. Dans cette vidéo, je vous montre cette map, la Kaoro Gaming. Kaoro Gaming. Alors, on a pris la BF400 parce que ça roule très très mal. Je l'ai jamais visité. Je suis allé en face, je suis revenu. Voilà, j'ai testé un petit peu seul aller-retour. On va visiter ensemble ce qui se passe à l'intérieur. Alors, on va repartir dans cet endroit. Regardez un petit peu ces monuments là. Ah, il y a deux. Il y en a deux là-bas, il y a le mont Chiliad. Ah, ouais, c'est bien ça, il y a trois. Oh là là. Et là-bas en face, il y a encore des monuments. Oh. Je sais pas du tout ce qui va nous arriver. Alors, avec la BF400, c'est un super parce que c'est une enduro. C'est une passe-partout. Waouh. Voilà, petite virgule en BF400. Vous voyez, c'est une Dakar. Où sont les limites, je ne sais pas non plus. Ah, là-bas, c'est de l'eau. C'est un mirage. Alors, ici, on a quoi? On n'a rien. On va aller jusque dans les limites. Hein. On va tomber et je le sens ici. Ah non, pas encore. Ah, elle est quand même loin. Il y a pas mal. Là, les palmiers, ça va être la fin. Ah d'accord. Ah bah c'est bien fait, je trouve. Parce que Northampton, les limites sont pas aussi bien faites. Wow. C'est un mirage. C'est une Inception. Ah. La moto, elle a calé. Oh, regardez un petit peu ce paysage. On va prendre l'hélicoptère. Alors, l'hélicoptère, on va prendre le Savage, peut-être. Bizarre d'attaque. Le Havoc. Alors... Ah mais mince, tout se met à caler ici, c'est le détroit, c'est le triangle des Bermudes, c'est la malédiction, on est maudit, au secours. On va réessayer par ici. Alors si on prend véhicule spawner, hélicoptère, je l'aimais bien ce petit hélicoptère. C'est un avocat. Ici, ça a l'air de... Ça fonctionne mieux, d'accord. Ok. Ça fonctionne mieux. Nickel. Et ici, on trouve un glitch. Ça va un petit parchemin. Oh, il y a une ancienne pyramide. Ancienne pyramide tout droit sortie de la première dynastie égyptienne. À côté, son frère Khéops 2,3. Ah, mais c'est drôlement bien fait. Hein. Et là, c'est. Ah, il se m'a fait voir. C'est donc là-bas le mont Chiliad. Ah, c'est extraordinaire. Là-bas, c'est la ville. Oh, le sphinx. Il y a un sphinx. Il y a deux sphinx. Il y a deux sphinx. Une entrée par ici. C'est une entrée? Je rêve. On a l'impression que c'est une entrée. Non, ce n'est pas... Waouh, waouh, waouh.
Ah, pardon, je ne le savais pas. Un secours. Je ne le savais pas, je ne le savais pas. Tuez-moi pas, tuez-moi pas. Ah, mais c'est maudit ça, j'aime pas ce ton-là. Extra Sony, c'est mieux. Voilà, comme ça on a les... Comme ça on a les FPS, on a les... l'image. On a du 2060 RTX+. Alors on va reprendre la moto pour naviguer sur sur ces terres arides. Installé avec notre BF400. Alors ici il y avait le Sphinx. Comment elle s'appelle déjà? Anubis. Anubis. Oh, j'ai cru que c'était quelqu'un. Alors moi je vais m'inviter des personnages. Hop, on va mettre quelques mercenaires avec nous. Hop. Mais faut pas tout le temps me suivre, mec. Je veux dire, là, t'es bienvenu, mais... Non, hop. Alors, ils sont où? Ah bah, ils arrivent. Voilà. Comme ça, si on a des ennemis... Ah, mais ils sont tout le temps désagréables. Arrêtez de me foncer dedans. Voilà. Alors, ordre. On va leur dire en général de pas me suivre. Free move. Ouais, ils sont un petit peu teubés. Et lui, j'aurais bien voulu lui dire de repartir, genre détacher le véhicule. Ou comment on fait pour que tu te casses, toi? Bon bah tant pis, tu resteras derrière mon véhicule. Alors, où pouvons-nous aller? Oh puis non, je vais leur dire de me suivre, c'est mieux. C'est plus intéressant, c'est plus attractif. Hop, on fait général, follow me. Comme Aibody se dirait. On regarde ici. Là-bas il y a l'entrée. Alors moi je vais reprendre un petit hélicoptère. Hop là. Oui, oui, follow me. Hop, on va prendre un petit... Il est là, il est avec nous, ouais. Bon, bah, c'est bien. Oh la giga rampe. Ah, je l'avais pas vu. Oh là-bas aussi il y a des gigarampes. C'est pour moi la gigarampe là? Bon, on va la faire tout de suite alors la gigarampe. Et je vais upgrade ma moto pour qu'elle puisse accélérer à fond. Voilà. Barrez-vous les mouettes. La mouette là, on va la flinguer. Ah mince, on n'a pas réussi! Oh, le monstre de tremplin! Donc, ensuite... Bah, arrête de me suivre, ça devient gênant, là. Free move. Voilà, ce que tu veux, amuse-toi.
Voilà. On va prendre une moto, mais laquelle de moto? On va pouvoir prendre. Je sais pas celle qu'on pourrait prendre. On a bien celle-là, la Batty RR. Je connais pas vraiment les meilleures. La double T. Nemesis. Ok. On va reprendre notre bonne vieille moto. Hop. BF400. On va la upgrade avec le menu custom. Hop là. Voilà. On est vraiment dans un Dakar. Voilà. Allez, c'est parti pour le gigasso. On pourra le faire en voiture après. On se fait quoi? On se fait une virgule? Non, on se fait une variale. Wouhou! Alors ça, c'était du saut de gangster. Allez, on monte, on monte. Oh, on a pas réussi. En même temps, c'est pas des escaliers, c'est des blocs, hein. C'est pas des marches, c'est des blocs. Oh la gigarde de malade! On va se la refaire, mais en voiture. En voiture. On va se prendre une petite voiture puissante. Et on ira refaire un des autres tours. Là, on monte à environ 130, ce qui est une bonne vitesse de croisière. On va délaisser ça et on va prendre une super. On va prendre une décapotable avec le petit aileron que je surkiffe. Je surkiffe cet aileron là. C'est trop matu, mais c'est trop. C'est peut-être ça qu'on aime, quoi. C'est devenu matu parce que tout le monde aime ça. Il est trop beau. Il est trop beau. Alors ensuite, ou sinon là, j'en aurais pas dans mes favoris. Non, ils sont tous invalides. Stretch, ouais. Alors, non, non, on ne veut pas de ça. On va le upgrade, un menu custom upgrade. Oh! Alors hop, comment on fait pour mettre en décapotable? Bon, j'arrive pas. Tant pis, ce sera pas une décapotable. Allez, on est parti, on a 130. Alors, on a nos coéquipiers qui est mort là-bas. On n'a plus que deux voitures. Et vroom! Ha! T'as vu ça, Bello? Qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Il veut repartir à Los Santos. Ça va pas, cousin? Non! Bon, on a encore un petit peu de temps pour visiter les nouveaux lieux. Là-bas, j'ai vu qu'il y en avait. Regardez ça, le Sphinx. Il a tout, le nez, la barbe. Il a tout. Waouh, c'est légendaire. Wouhou, ça fait rêver. Waouh! Des halls égyptiens pour avoir de l'ombre. Et le dieu soleil est avec nous. Alors, ici, où est-ce qu'on passe? Ça nous amène nulle part. Ça me rappelle un jeu, les Razz Moquette 1 sur PlayStation 1. Oh là là! C'est les mêmes graphismes là et on s'y croirait. Oh là, il y a des mirages. On va aller à l'extérieur.
Ok. Bon, on va grimper la pyramide avec la moto. Et après, je vous laisserai. Quoi qu'on n'a pas été là-bas. Qu'est-ce qui se passe là quand on va vers le mirage? Il n'y a rien. C'est même y a rien non plus. Alors pourquoi ils auraient mis ça ici? Oh, c'est beau encore là. Ouf, on passe à côté. Ça me rappelle les Razmoket 1 quoi. C'est un jeu, c'est... J'adore. C'est les graphismes, ils sont en 2D, vous savez, enfin, c'est dégueulasse et... Ah, c'est trop bon quoi. Les Razmoket 1. Ma soeur, elle a préféré plutôt les Razmoket 2. Mais c'est une fille et c'est ma soeur quoi. Alors, on va repartir comme ça. Là. Il y a tellement de choses à voir, ça peut durer du temps. On va essayer de faire des coupures. Hein. Tentons de grimper la pyramide avec avec une moto, juste une moto. Bien sûr, ce sera... Ah non, je suis dans l'hélicoptère. Moto, ici. BF400. Sans le upgrade. Juste... Ah, quand on est petit, c'est encore plus impressionnant. Alors, on peut taper un well. Oh, je crois qu'on aura besoin du upgrade. Ça va, ça monte. Ah, ça monte difficilement. Ouh! On voit toute la map comme ça, c'est bien. Est-ce qu'il y a du plat en haut? Allez, je voudrais savoir ça. Oh non, 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 non. Tu grimpes, allez, tu grimpes. Ah, on n'a pas pris la plus grande. Wouhou! Ça va, on arrive même à reculer. Oh, Franck. Franck, tu grimpes. Oh, wow, ah, bon, appel, non, contre-appel et appel, wow, oh. Maintenant la moto elle est upgrade et on monte la plus grande pyramide de la map. On va pouvoir constater qu'on est tout proche de Los Santos. Et voir un petit peu l'étendue de cette carte. Hop là, on arrive maintenant tout en haut. Oh, mon personnage, il y a un personnage qui a perdu son véhicule. Sûrement celui qui faisait n'importe quoi avec. Hop là. Non, mais c'est impossible de monter. Hein. Ah! C'est impossible de monter. Je voudrais me stabiliser en haut, moi. Voilà. Hop, avance un tout petit peu. Voilà. Bon, bah, c'est pas très bien. Ah non! On est où? On est où? Alors, il me semble qu'on est dans la pyramide. Donc, de là, on voit tout. On peut même mettre. Ah non! Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, on peut pas. On va pas trop s'en faire. Que... Ouais. Non, toujours pas. C'est pas à cause du parachute. Mais on peut voir... Il y a deux sphinx. Il y a... Quatre pyramides. Plus des petites pyramides. Une pyramide en face. Voilà.
Et Los Santos, d'accord, se trouve là-bas. Voilà. Bon, ben sur ce, moi j'espère que. Ouh, on peut pas mettre de détails. J'espère que cet épisode vous aura plu. On va en faire d'autres. Sur ce, passez une bonne journée. Salut!